Taïwan, 3 mois m'a suffi à me dire que j'envisageais tout à fait de passer, on va dire, sur la moyenne longue durée. Finally, now I'm back in Taiwan. My first time. Yeah! 我已经住在台湾 11年。 台湾的食物我已经习惯很久，什么都敢吃，不喜欢的不多。你看，刀叉，我已经忘了是怎么用，是这样吗？ 不过有时候，我突然会很想去法国我家乡的料理，尤其是可丽饼。那我最近在台湾找到一家法国餐厅，会让我这个法国人觉得很满足。老板是法国人，我等一下回去找他，听他来台湾的故事，还有会带我的朋友一起去他的餐厅吃可丽饼。Acteur 1. Bon bah écoute Jérôme, enchanté. Hein. Enchanté. Première question pour la faire courte, qui est Jérôme et qu'est-ce qu'il fait à Taïwan? Donc Jérôme, 35 ans. Mmh. Je suis français, je viens de Versailles, okay. À base en France. Alors j'ai rencontré en fait ma femme, enfin ma copine à l'époque en Australie. Suite à ça, on était venus à Taïwan en se disant bon bah, on va essayer de voir un peu si on peut continuer ensemble. Donc je suis venu une première fois pendant 3 mois. Je suis rentré en France en fait pendant 1 an, on était en relation de longue distance. Et suite à ça, je suis venu sur Taïwan, 2014. Naturellement, c'est vrai que moi, suite à l'Australie, j'étais plus ouvert à essayer une expérience encore à l'étranger, en fait, ouais. Tout simplement. Taïwan, 3 mois m'a suffi à faire, à me dire que j'envisageais tout à fait de dresser, on va dire, sur la moyenne longue durée. T'es arrivé à Taïwan et assez rapidement, tu m'as dit, t'as décidé d'ouvrir un restaurant. On avait déjà dans cette idée avec ma femme de monter un petit business. Ok. À la base, on voulait monter un petit, une toute petite crêperie, plutôt de l'emporter des choses comme ça. Ok. En France, donc je suis rentré en France, j'ai travaillé un peu en crêperie sur Versailles. Et rentré sur Taïwan, en fait, ma femme avait déjà trouvé un local. C'est-à-dire, je suis arrivé le premier soir, j'ai dormi sur le sol du local et le lendemain, on commence à nettoyer, on commence à peindre et c'est parti. C'est une aventure quand même, démarrer un business dans un nouveau pays. Alors, avec du recul, oui, clairement, oui. Bah, c'est un risque, c'est une grosse aventure. C'est, je ne vais pas dire un peu naïf, mais presque. Franchement, il faut du courage, je pense, pour ouvrir un business à l'étranger. Après, j'avais 26 ans, j'avais mis un peu d'argent de côté. Je me suis dit, bah, tu le tentes maintenant, tu te plantes, tu as le temps de te rattraper derrière. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Donc, après, c'est un pari risqué par amour, c'est quand même un pari risqué. C'est du boulot, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'émotions. Aucun problème. C'est du boulot. En fait, on est parti de rien. On avait le local, il y avait tout à faire et ouais. Fallait que je retrouve les produits, fallait voilà. Sachant que c'était mon premier business, hein, ouais, avec ma femme aussi, donc c'est pour ça que je parlais un peu de naïveté, c'est qu'on n'avait aucune connaissance en fait de tout ça et on s'est lancé. On a de la chance parce que 9 ans plus tard, on est encore là, mais... Une fois que vraiment ça a ouvert et qu'il y a commencé à avoir de la clientèle et tout, comment ça s'est passé Au début, moi, je commençais, j'étais dans la rue avec les flyers, dire, ah, il y a un nouveau petit resto français qui est là, donc venez essayer, venez découvrir, on va dire. Faut inviter les gens à venir goûter. Après, si ça leur plaît ou pas, c'est eux qui jugent en fait de la chose. Mais... On n'a pas encore dit d'ailleurs, ton restaurant s'appelle Le Puzzle. Le Puzzle. Le Puzzle. Nous, notre spécialité quand même, c'est plutôt justement côté galette. Ouais. Côté galette où c'est très peu présent sur Taïwan. Là, la galette, c'est fait avec farine de sarrasin. Il y a une question que je voulais encore te... La grande question. C'est que tu m'as dit que tu faisais du Kung Fu. Oui. Et est-ce que tu peux nous parler de ça? Bah écoute, le Kung Fu, c'est quelque chose que j'ai commencé il y a... 3 ans, 4 ans. Ah ouais. Moi, je fais ça dans les community, tu sais, les écoles qui ouvrent le soir en fait pour laisser place à des activités artistiques ou des activités sportives, des choses comme ça. C'est cool et puis c'est assez intéressant. C'est peu courant. C'est intéressant. Un bon exercice où moi ça m'a permis de retrouver un peu de souplesse, des trucs comme ça. Sinon le corps vieillit. J'apprends une forme d'arts martiaux, apparemment, c'est ce qu'ils étudient pour tout ce qui est garde du corps de la présidence taïwanaise. Okay. Ils doivent tous être, et apparemment, dans l'armée taïwanaise, ils doivent apprendre ce genre de choses. Donc, Ouais. Bon, la partie suivante, c'est la partie un peu bonus. Alors, première question, Taiwan Beer ou Cidre? Ça dépend du contexte. Taiwan Beer, avec les amis, qu'on est dans les restaurants taïwanais à manger tous ces petits plats, Cidre. Moi, j'aime bien le cidre parce que c'est aussi assez hydratant. Donc, en été, quand il fait chaud, un petit cidre. C'est agréable. Effectivement. Okay. C'est agréable. Alors, pour le petit déjeuner, est-ce que tu es plutôt danbing ou croissant? Plutôt danbing à Taïwan. Ah, oh, ouais, ok. Plutôt danbing. Ouais. Il m'a fallu un peu de temps à m'adapter par rapport à ça, mais
Ça me dérange pas, j'aime. Est-ce que tu serais plutôt hot pot ou raclette? Bah encore une fois, ça dépend du contexte. Après, le problème pour moi, c'est que étant restaurant français, la raclette, je peux en manger assez souvent. Bah, j'irais plutôt hot pot. D'accord. Sortie entre amis, hot pot. Clairement hot pot. Ton restaurant fait de la raclette aussi? On fait de la raclette. On fait de la raclette, on fait de la fondue. Et ouais. J'ai une cliente la dernière fois qui a ramené justement des amis taïwanais en disant « Ah bah ça c'est French hot pot, tu vois, ouais. la fondue, ta ta ta. » Bah, c'est dur à expliquer parce que je vois ça un peu comme French hot pot, mais en fait c'est… Bah, c'est cheese pot, nous on dit cheese pot. Question suivante, est-ce que tu peux nous dire le top 3 des choses que tu préfères à Taïwan? Y a le côté nature. Bon après nous on est sur Taipei et c'est vrai que même sur Taipei l'avantage c'est qu'on peut sortir assez rapidement de la ville. Pour aller faire des petites balades, des petites ouais. des choses comme ça. Donc ça, clairement, c'est un avantage que je trouve génial. Après, niveau nourriture, alors c'est con, mais c'est vrai que je suis devenu taïwanais par rapport à ça, entre guillemets, parce que la nourriture a une place vraiment très importante aussi dans la culture taïwanaise, je trouve. Ouais. Et je trouve qu'ici, on a, y a beaucoup de nourriture qu'on peut goûter. Ça, ça j'aime bien découvrir aussi. J'aime bien découvrir, j'aime bien manger. Et la troisième chose que j'aime faire à Taïwan, Niveau visite quand même, avoir l'occasion de visiter Taïwan aussi en général, il y a, culturellement parlant, il y a des choses quand même super intéressantes à voir. J'aime bien la musique à Taïwan, étrangement, même si je parle pas mandarin et que mon taïwanais est assez mauvais. J'aime bien la scène artistique taïwanaise, me semble intéressante. Oh cool. Donc ça nous en fait 4. T'as dit nature, nourriture. Nature, nourriture. Culture et musique. Et musique, quoi. Bah écoute Jérôme, on parle beaucoup de nourriture depuis tout à l'heure, on a parlé de crêpes et moi je commence à avoir très faim. Alors je te propose de te retrouver à ton restaurant bon, on va faire ça. Pour déguster les fameuses cuisiner. Crêpes. Voilà. Allez. Wan Chang Lai Le, au dar le puzzle. Tintin Huyo, Liang Pen Yo, Gen Wo, Ichi Chu, Que Li Bing. Amy, Hayo, Adi. Dada Hao, c'est Amy. Dada Hao, c'est Adi. Hey guys. We arrive at Le Puzzle. Now again, 老板娘, 小麦. Hi. 我们今天来吃可丽饼. 对. 很期待. 法国的. 法国的可丽饼. 当地的可丽饼. Ok, les amis. Aujourd'hui, on est venu pour manger des crêpes françaises. Amy. On a scale from 1 to 10, what's your knowledge about crepe? Maybe 4? 4? Okay. Yes. How about you, Jamal? Okay, I must be an 8. Yeah, 8 out of 10. Okay. 8 out of 10. I think I must be 5 or 6. I don't know so much. Yeah, you lived in France for like 1 year. 1 year. Okay. So you know they have the salty yes. and the sweet crepe. What do you want, Amy? Is it also pronounced Quiberon? Quiberon. Yes. Une quiberon pour Amy. Une savoyarde pour moi. Savoyarde. Et je vais prendre une auvergne. Allez, c'est parti. In France, when you have crêpes, you must eat cider. In Brittany, yeah, I think it's really a common thing to drink cider and eat crêpes at the same time. And in the special bowls. You drink it with the bowl, not the glasses? I think the traditional way wants you to drink it with a kind of a bowl. I have no French culture. So I you can trust him. Wow. So this is like the typical French cider, French alcohol that you drink with the crepe. Bon guys, cheers. Cheers. Wow. The crepes have arrived and now it's time to eat. So we have different styles today. Mine has an egg on top. You have seafood. Yes. And you have surprise inside. Yes. What is inside? Nobody knows. Cheers. Cheers. So Amy, what do you think about the design of your crepe? My design of my crepe? Yes. I think it's really triangle. It's triangle, yes. Yes. I think the cider is a bit too strong, you know? Yes. Okay, for me, I can tell you right away, this is blue cheese. Very strong blue cheese. I think it's a popular combo for blue cheese with steak. Mm. I've seen that a lot in the steak. Okay.
Merci. Yeah, you are lucky. Wow. Man. Because sharing is caring. Well, I have to say, your crepe, I like it very much. Really? Savoyard. It's a classic. It's a place in France. Uh-huh. From the terre. From the terre. Yeah. And eating the potato makes me feel very happy in my French. Me too, French, I love potato. Mmm! C'est bon? Mmm! 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 How about mine? I mean, you remember my name. Oh my god, that's so fucking love. Germain. Oh, Germain. No, actually he said Aji. Aji is my Chinese name. Yeah, because Germain starts with a G. Oh! Yes. And in the beginning, I think in the beginning they called me G or Ma here. But no. Everyone said it's so weird. Yeah, so weird. So then people say Aji is better. Yeah. Oh, now that we're having a good time, German, can you tell us how long you've been in Taiwan? I've been in Taiwan for a total of 2 years. Mm. But I've come here for the first time in 2017. Oh yeah. And so I come back to France, go to some different country, and finally now I'm back in Taiwan. My first love. Perfect. Cheers, guys. Oh, cheers. Cheers. Yeah. Okay, I think after the salty crepe, we should have the sweet crepe. Okay, like the dessert. Yes. So I already know what I want. What do you, you want? You already know what you want? Nutella. 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 That's it. Nutella. Plain and simple. Ouais. Mm. Nutella pour monsieur. Le désir pour monsieur aussi. Et madame? But I can have a 16. Oh, 16? Yes, mm. It looks really nice. Okay, time for dessert time. I like the alcohol flavor. Nuts, raisins. And raisin and some almonds. So this is ice cream? This is ice cream. Oh, let me try. I totally steal your... Oh, look at this. Yeah, actually, the taste of alcohol is very strong. Yeah. It's like... But actually it's balanced. Really orangey flavor. But I think it's quite good to balance the sweetness of the chocolate and the ice cream. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay guys, so now are you full? Are you happy? How was happy. The night? Yeah, it was a very good night. It was a really good night. Yeah, I think we had food a bit too much cider. Yeah, the way to no, I recommend the Savoyard was very good. Savoyard was really good. I think he's our number one. Everyone liked the Savoyard so much. Yeah. Bon, écoute, Jérôme, c'était très très bon ce soir. Merci, merci beaucoup. À toi. Merci à vous d'être passé. Je voulais te demander, en fait, sur le menu, les crêpes, est-ce que c'est des crêpes standards? C'est-à-dire qu'en France, tu trouves le nom, c'est la même composition ou... Alors, pour une, oui, la classique. Alors, soit c'est la classique, tu sais, la œuf, œuf jambon fromage. Ouais. En France, on aura la version classique ou la version la complète. Ok. En fait. Les autres, c'est plutôt des noms de lieux en fait qui font référence à des produits en fait locaux. D'accord. Par exemple, la Savoyard, ouais, c'est plutôt par rapport pommes de terre. Ça fait penser à la raclette aussi quelque part. Bah, c'est l'idée justement du fromage à raclette dedans. Voilà. C'est l'inspiration des lieux. Chaque crêpier va travailler aussi et va offrir le menu qui va lui sembler intéressant. J'ai envie de dire aux invités, si vous aimez ce genre de vidéo, bah, faites-le savoir dans les commentaires. Comme ça, peut-être que je pourrais en faire plus à l'avenir. Si ça vous a plu, mettez un like. Peut-être abonnez-vous à la chaîne. Et aussi, si vous décidez de venir ici, dites-le à Jérôme, comme ça, ça lui fera plaisir aussi de savoir qu'ils sont venus de par cette vidéo. Voilà, bah, ce serait très sympa, et même de pouvoir papoter avec certains de tes fans, si j'ai le temps, ils sont disponibles. Voilà, Jérôme aime discuter, un très, peu trop. Très sympa. Bienvenue. Merci à tous, et je vous dis à la prochaine. Ciao. Allez, ciao.